sucré. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Avec le Gourmet Sucré, nous allons inviter aujourd'hui un grand artiste. Vous êtes artiste, non? Non, manager. Ah, vous êtes manager? Ouais. Alors, un grand manager, parce qu'un manager, c'est pas n'importe qui. Hein? Ouais. Monsieur Gueka, soyez les bienvenus à l'émission Gourmet Sucré. Ok, je suis Deka, manager. Voilà, manager de beaucoup d'artistes aussi. Oui. Ouais. Surtout moi de Love. Ah, d'accord. Voilà. Je suis content pour être là à l'émission. Merci beaucoup. Ouais. À l'émission de la seule lode de tout le pleu, mm-hmm. moi je suis la seule lode de tout le pleu. Vous êtes présenté, non? Moi je m'appelle la seule lode de tout le pleu. Ouais, donc quand vous parlez, il n'y a pas de maman. Non, chez moi, si sur mon antenne, le maman pleurement c'est dehors. Là, c'est la seule lode de tout le pleu. Voilà. Mm-hmm. Pas de souci. Donc je vous écoute, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Mm-hmm. Merci. Là, bon, voici comment une histoire de déception qui fatigue tout le monde. Oui. Franchement, moi-même, là, ça m'a fatigué pendant au moins 6 mois. Je ne me suis pas retrouvé. Mais ça vous a fatigué comme ça pendant 6 mois? Ça a commencé quand? On peut pas voir quelqu'un déjà pu avoir le gourmet? Oui, bon, là, dans le temps, j'étais à Ipougon. Précisément au Toit Rouge. Oui. Je gérais une petite boîte là. Mmh. Donc, de temps en temps, je partais faire des achats, des boissons. La jeune fille, elle gérait une cave où elle vendait les boissons en gros. Oui, d'accord. Donc, c'est comme ça on s'est croisés. Je l'ai vu, je partais faire des achats là-bas. L'amitié est partie, on a commencé à causer, c'est parti, c'est tout ça. Elle venait au bar. Donc, je l'ai dragué, elle a accepté. En tout cas, c'était bien parti. Vous l'avez dragué? Oui, ce oui. mot-là existe encore? Oui, ça existe. Ah, ça d'accord. Existe. Mmh. Voilà. En tout cas, il m'a fatigué pendant au moins 2 mois avant de m'accepter. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'était parti. Je l'ai présenté même à mon grand frère. Mais comment vous avez dragué une femme pour une première fois, qui vous fatigue au moins 2 semaines, 3 semaines? Mais comment vous avez pesé qu'une personne que tu dragues en même temps, puis tu couches avec elle? Les deux côtés, comment ça se trouve? Non, l'amour, c'est bizarre, en fait. Quand on dit aimer, c'est type. Tu peux croiser quelqu'un aujourd'hui et puis tu peux aimer la personne. Mm-hmm. Peut-être par quelque chose. Voilà, l'amour vient toujours par quelque chose. Oui, parce que voilà. L'amour, c'est de là. Voilà. Moi, quand je l'ai croisé, franchement, j'ai vu que par sa manière de parler, puis c'est moi-même, là, je suis quelqu'un qui joue beaucoup la comédie. Donc, je la faisais rire un peu. Donc, elle a aimé ma manière d'être. D'accord. Voilà, elle a aimé ma manière d'être. Et c'est comme ça, notre relation a commencé. Mmh. Voilà, donc pendant au moins 2 mois, on était ensemble jusqu'à 6 mois. 7 mois, on avait décidé d'organiser une sortie de plage. Alors, à la plage, j'avais des amis, chacun vient sa copine. Ouais. Voilà. Donc, je lui ai remis l'argent. J'ai dit, ah, Rachel, tu as un peu d'argent, tu prépares, tu fais les petits trucs. Voilà, à la plage, j'avais des amis, on allait s'amuser. La dernière, dans le lendemain, je l'appelle, les amis sont venus me voir. On s'en va, il est 10h parce qu'on a organisé comment appeler un convoi. Ouais. Ils sont arrivés à la maison, moi je l'appelle, moi je dis après, elle décroche pas, il insiste, elle décroche pas, il insiste, elle décroche, elle dit écoute, je voulais te parler. Elle dit ouais, depuis longtemps, mais c'est comment? Elle dit non, je veux qu'on arrête toi et moi. Non, ça c'est trop rapide ça. Tu dis quoi? Ça, c'est... Moi je l'appelle, puisqu'on on avait un rendez-vous. S'il te plaît, parce que c'était déjà organisé que. Ouais. On devait aller à une soirée, à la plage. À la plage. Elle a accepté, tu as remis de l'argent. Ouais. Elle a accepté pour aller faire les achats. Mmh. Et maintenant, où les amis sont là, tout est déjà prêt. Et puis maintenant, on te dit qu'on est arrêté. À part ça, le soir, il y a eu quel dégagement? Bien, rien, il n'y a pas eu quelque chose. Rien passé. Comme ça. Rien oui. même. Mmh. Rien. Tout le monde, je ne comprenais pas. Je demande, mais j'ai fait quoi? Oui. Il dit, tu n'as rien fait, mais je veux qu'on arrête. Parce que j'ai réfléchi. J'ai vu que notre amitié, ça ne peut pas aller loin. Donc, c'est bon. Mais ça ne peut pas appeler loin, puis tu as pris l'argent là, pour préparer. Donc, je ne peux pas dire ça à mes amis. Je suis allé les mentir, non, il y a eu un problème grave, c'est que je suis. On va rejeter ça. Par exemple, ma petite là, elle ne peut pas venir. Donc, on a rejeté. Je suis allé voir un tonton, je suis allé l'expliquer. Il était bizarre même. Il dit, mais mon petit, tu as quoi? Il dit, ah, je perds. Tu connais mon mousseau là, non, mon petit, là, ma petite là, qui souvent il passe ici devant toi. Il dit, ouais, la petite là, elle est jolie, hein. Il dit, ouais. On n'est plus ensemble. Elle, tout à l'heure, vient de me laisser. Elle m'a dit, elle et moi, on a qu'à arrêter tout ça. Elle dit, mais comment ça? Il y a eu quoi? Elle dit, moi, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Donc, moi, je suis venu te voir, le vieux père, il veut que tu me donnes les solutions, mais les idées. Moi, je suis fan de la petite quand même. Il dit, bon, moi, je connais Marabout. Il dit, hein? Il est où ça? Il dit, non, je connais Marabout. Je vais te mettre en contact avec le Marabout. Donc,
Lui-même qui vient te mettre en contact avec Manabré, il est marié. Bon, lui-même, il est marié. Donc, il m'a donné le numéro de Marabout. Moi, j'appelle le Marabout, je me présente, tout, tout, tout. J'arrive chez le Marabout, je l'explique mon histoire. Il me dit, bon, voilà ce qu'on fait, on fait des sacrifices. Il dit, ok, qu'est-ce qu'on envoie? Il dit, bon, envoie poisson frais. Et puis du riz, non cuit, avec deux œufs. Marabout, elle voulait faire que nous... De... Non, mais je n'ai rien compris. Elle voulait faire son anniversaire. Je ne connais pas ce genre de truc. Je vois un Marabout qui est en train de me demander du riz non cuit, un poisson frais, deux œufs. Mmh. Il dit, ok. Mmh. Je suis allé payer sans un petit marché, il a fait un chat, tout. Ouais. J'ai envoyé. Je l'ai remis. Il a fait les trucs qu'il m'a donné. Il m'a donné rendez-vous le lendemain de passer chez lui. Je suis allé chez mon VP. Il dit, ah, VP, Marabout, m'a demandé riz non cuit, un poisson, deux œufs. Il dit, ouais, c'est pour faire le. C'est qui Marabout qui demande riz non cuit? Il dit, bon, ok, à fond. Toi, le lendemain, il s'est allé chez lui. Ouais, c'est il m'a donné un œuf. Il m'a donné un œuf. Il dit, bon, œuf là, c'est préparé. Tu arrives à un grand carrefour. Tu là, tu casses. Il dit, ok. Toi, il a mis œuf là en poche. Il s'est arrivé à un carrefour. Il s'est arrêté là. Et puis, il y a, mais tellement il était connu dans le quartier, qu'il vient arriver ça dans la poche. Et dès qu'on se commande, des jours, hein, il remet dans la poche. Ouais, ouais, ça va, je suis là. Ah, il dit, mais qu'est-ce que ça? Tellement les gens passaient, maman, mais il est ramené, il dit, ah, moi, il ne veut pas casser, il veut que toi, mais tu fais ça. Mais moi, on me connaît trop. Il dit, non, mais tu casses. Il dit, c'est que c'est la nuit, elle est cassée. Hein. Là, tout le monde dort, mais il casse. Il dit, non, c'est dans la journée. Il dit, non, c'est que ça, là, moi, il ne peut pas faire. Donc, il m'a donné un truc, poudre. Il dit, tu t'arrives, tu es là. Il dit, ok, il y a la poudre. Il s'est allé chez la petite, elle ne veut plus me sentir. Là, même là, c'est comme il y avait caca de chasseur. Il dit, tu es venu faire quoi ici? Il dit, non, je suis venu te voir pour qu'on couche. Il était déjà sûr de moi. Mm-hmm. Il dit, non, ce qu'il m'a donné, c'est que ça a marché. Il a dit, ah, Rachel, on dit quoi, bébé, ça va? Alors, on dit quoi? Bon, je suis venu te voir, hein, pour qu'on règle tout ça. Bon, demain, tu viens à la maison. Et de quoi tu parles même? Il dit, non, par rapport à ce qui s'est passé là, je veux que tu laisses tomber. Il dit, non, n'excuse même pas, mais je t'ai dit, c'est fini. Il t'a dit, c'est fini, il ne faut même pas, c'est pas la peine même. Toi et moi, on peut rester des amis. Il dit, ah, comment on peut rester des amis? T'es mon mouzo? Non, moi, je ne peux pas faire. Donc, dans ça, je me suis retenu chez mon VP. Il dit, ah, on dit, ton Marabout n'est pas fort. Hein. Bah, vraiment, il a donné mon petit mougou, il a donné, il a payé un chat. Tout ce qu'il m'a demandé, il a fait. Ça n'a pas marché. La fille ne veut même plus me sentir. Jusqu'à. C'est dans ça. Je suis allé voir un vieux père du quartier, encore, qui m'a dit, mon petit, une femme, il n'y a pas son médicament. Médicament de femme, c'est femme. Mais comment de femme, c'est femme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que là, tu venais de dire carrément que. Parce que moi, ce que j'ai pas un peu compris, parce que dès que tu as croisé ta Rachel, tu n'es pas allé voir un marabout. Tu as croisé Rachel parce que c'était l'heure de Dieu. Parce que le marabout, bon, moi je pense qu'il y a des marabouts, mais à Bidjan, qui sont impuissants. Et puis, ils parlent qu'ils vont mettre quelqu'un. Toi qui es impuissant, tu peux parler des femmes avec qui? Tu es enfoui dans les cassettes, dans les plein de marabouts, ils sont impuissants. Parce que quand tu bandes que tu peux parler de. Dis que tu as dragué quelqu'un. Mais quelqu'un du matin, soit il a suivi, il n'a tapé, il n'a bougé pas. Il connaît comment batterie toi pour aller attaquer quelqu'un. L'amour d'une femme, c'est naturel, c'est de l'art. Tu as dragué, si ça ne va pas, tu n'as même pas besoin d'aller voir un marabout. Bon, tu allais prendre des risques, aller casser F, aller faire ceci, cela. Parce que dès le départ, tu n'as pas pris tout cela pour croiser la personne. Vous êtes aimé dans la causerie. Brusquement, elle t'a frappé à l'œil, toi aussi tu l'as frappé à l'œil. Mais aujourd'hui, bon, comme ça ne va pas, parce que quand tu es trop fan d'une femme, tu es obligé de faire du n'importe quoi, et après tu regrettes. Est-ce que tu vois? Et après tu regrettes. Peut-être Dieu avait positionné ça un peu pour vous voir les deux personnes, comment vous allez commencer votre vie. Maintenant, il y a voilà le diable qui va venir à toi, va voir Marabout. Toi, Marabout, on t'entend te voir. Je ne sais pas si ta femme t'a divorcé, il n'y a pas deux jours, tu cherchais ton kegeni de nuit là. Marabout, on prend du riz avec poisson frais là. C'est pas comme ça. Poisson n'a jamais ramené une femme à la maison. Le mécan d'une femme, quand une femme te fatigue, là, il faut prendre une autre femme à côté d'elle. Ça, c'est le grand mécan d'une femme, ça. Parce que la femme n'a pas, elles n'ont pas yeux. Parce que quand elle va comprendre, ah, ton gars, là, il y a une autre personne, tu verras qu'elle va changer tout de suite. Tu as besoin de prendre un demi-kilo de riz. Si tu as des problèmes dans ton foyer là-bas, c'est pas la peine d'emmener les jambes. Donc, vas-y. Mm-hmm. Donc, c'est là j'ai compris que le médicament des femmes, vraiment, c'est femme. Médicament des femmes, c'est femme. Il n'y a pas de maraboutage dans le fait d'amour. Non, le marabout. Ça n'existe même pas. Le gars, quand il m'a levé, il m'a dit médicament des femmes, c'est femme. Il dit, ben, c'est que Moussa, le médicament des femmes, c'est femme. Mais son médicament là, c'est quoi? Médicament des femmes, c'est femme. Oui, maintenant, à la suite, comment ça s'est terminé? Bon.
je me suis attrapé une petite du quartier, une petite. Dans le même quartier que tu habites. Dans le même quartier toujours. Voilà, avec Rachel. Dans le même quartier. Oui. Donc j'ai oublié Rachel. Bon, 2 mois plus tard, Rachel même est venue seule. Hein. Elle m'a. Elle bon, a quand tu as m'appeler. Quand tu as vu la nouvelle et puis tu as pesé Rachel et puis la nouvelle, est-ce que leur amour là c'était comment? Non, c'était les mêmes choses. C'était plus. Mais il y avait différence. Mais là, j'étais déjà devenu autre chose. Autre chose, c'est-à-dire. Tellement que Rachel t'avait pipé. Voilà, c'est-à-dire était devenu autre chose. Mais avec Rachel au moins t'es pipé, non? Oui. Non, mais non, écoute-moi, Rachel te faisait la pipe. Parce que c'est ce qui peut quand même marquer quelqu'un qui peut déranger quelqu'un sur la vie. Avec Rachel, on faisait tout. Ah, d'accord. On faisait tout. Et la deuxième aussi, c'était comment? Non, la deuxième, c'était pas trop ça, mais. J'ai... Elle, au moins, c'est la prise en compte. Comme tu avais trop chaud voilà, sur le cœur, voilà. Tu t'es fait oublier un peu. J'étais avec elle, mais c'était pas trop ça, en fait. C'était pas amour. Mais tu jouais le jeu, quoi. Je jouais le jeu, mais c'était pas bien pour moi. Parce oui. Qu'il me disait, dans l'amour, il n'y a pas de pitié. Voilà, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de dit non. Il n'y a pas de pitié, mais souvent, il y a des règlements de compte aussi, dans, hein, tu peux te venger. Quand tu ne veux pas, quand tu n'es pas, quand tu n'aimes pas, il ne pas forcer, il faut laisser. C'est ça. Voilà. Donc bon, souvent, quand tu es avec elle, tu es obligé de penser à Rachel. Oui, je pensais toujours à Rachel. Pendant qu'elle était elle, souvent, on est couché, mais je me suis dit, c'est Rachel qui est là. Oui, bon, là, c'est comme ça. Mais là, mais toi, tu étais plus fort que le marabout, même, parce que tu faisais cette consultation. Maintenant, j'étais devenu autre chose. J'ai changé de goût, j'étais toujours partant. Quand il sort, quand il vient le matin, il présente un goût. Mon grand frère m'a demandé, écoute, mon frère, mais toi, tu es en train de changer de fille, mais quel est ton problème? Tu vois, non, tellement je voulais oublier Rachel, et vraiment, je l'ai oublié. Ah, d'accord. Ouais. Vraiment, ça tombe bien. Bon, c'est ce que je voulais dire à tous nos spectateurs qui nous suivent vraiment de loin, de près, pour vous dire que l'émission Gourmet Sucré, dans l'émission Gourmet Sucré, on apprend beaucoup de choses. Et tous ceux qui ont des problèmes de cœur, n'hésitez pas à venir frapper à cette porte. Nous sommes à Ivan TV Musique. Et je voulais dire aussi, la femme et l'homme, il n'y a pas de marabout qui peut les coller ensemble. Parce que quand c'est pour toi, il y a des hommes qui quittent aux États-Unis, qui viennent épouser les femmes en Afrique ici. Il y a des femmes aussi qui quittent ici, qui gagnent aussi un mari aux États-Unis. Quand Dieu a écrit, personne ne peut aller contre ça. Vous qui me dites, bon, je vais aller prendre mes médicaments pour mettre dans mon sexe pour que mon mari vienne avec moi. Non! Tu n'as même pas besoin de faire tout ça. Écoute ton cœur. Laisse-toi aller. Parce que tu l'as croisé, vous êtes croisé. Le marabout, vous ne pouvez pas savoir que vous allez vous croiser sur la route. Vous ne pouvez pas savoir que vous allez vous croiser dans la voiture. C'est Dieu qui décide. Et la femme, quand tu n'es pas aussi une personne, il ne faut pas jouer le jeu. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, elles peuvent même faire 20 ans avec toi. Mais elles savent que l'amour n'existe pas. Mais elles vont te faire croire que ça existe. Mais ce n'est pas bien. Quand tu ne veux pas de vous. Je préfère qu'on soit des amis qu'on soit des ennemis. Il y a des gens aujourd'hui, tu n'es plus avec eux, mais l'amitié existe toujours. Quand vous voyez, ah, chérie, ça va, on vous fait même des dépôts, ça, en tout cas, ça s'amuse. C'est ce que l'amour demande. Mais l'amour, la séparation, ce n'est pas une guerre. Vous dites, non, comme maintenant, il n'est plus avec moi. Il y a des femmes, souvent, quand l'homme les laisse, elles sont obligées de louer même les bandits pour aller attaquer le monsieur. Parce que le monsieur refuse d'aller avec elle. Donc, elle est obligée de jouer ce jeu, mais c'est être méchant. Parce que le cœur qu'elle a, l'homme peut avoir 1000 femmes. Mais c'est une seule femme qui reste le problème de l'autre. Est-ce que tu vois? Donc, je vais profiter aussi de ce que tu viens d'expliquer. Et puis, parler aussi ce soir, les papas qui sont un peu bien. Occupez-vous de votre l'héritier. Parce que c'est l'enfant qui remplace son père. Est-ce que tu vois? Vous trouvez que les enfants sont des bandits, mes enfants sont des voyous, sont des drogués. Ah non, les enfants de la rue. La rue n'a jamais pris de grossesse. Quand vous faites des enfants... Demande-lui, cause avec ton fils. Mon fils, tu veux faire quoi? Mais je connais les grands-papas aujourd'hui ici. Aujourd'hui, les enfants font rien. Les enfants font rien. Il préfère aller entretenir les enfants de sa maîtresse et puis pour entretenir pour lui-même. Et quand l'enfant grouille demain qu'il devient quelqu'un, j'espère que papa, tu ne vas pas te plaindre. Hein, pour dire, mon fils, ça ne me regarde pas. Mais tu as oublié. Parce que tu avais un peu, tu as préféré jouer au grand monsieur. Hein? Et demain, quand ça ne va plus, parce que quand la voiture roule, la saga, demain tu ne peux plus bouger et tu trouves que l'enfant ne te regarde pas. Occupe-toi de ton fils, de ton héritier. Parce qu'on dit, oui, est-ce qu'il a les enfants? Mais le monsieur dit, ah, voici ses enfants. Il y a des sociétés aujourd'hui, vous êtes des grands boss dedans, mais vous ne donnez rien aux enfants. Les enfants, mais souvent, quand on trouve que l'enfant devient drogué, mais s'il ne sait plus ce qu'il va faire, il sera obligé d'aller s'enjailler. Il va s'enjailler, c'est encore mieux. Parce que le vieux a les moyens, on ne veut pas m'aider. On va ici, il ne veut pas faire quelque chose. Il me dit quand même, toi, mais il faut griller. C'est les deux mains qui se lavent. Et deuxième tour aussi, je vais parler aussi à nos mamans. Les mamans en général. Ne faites pas choix entre les enfants. Parce que l'autre travaille, l'autre ne fait rien, tu ne veux pas le sentir. C'est les mêmes enfants que tu as mis sur la terre.
Parce que l'autre t'envoie quelque chose, lui ne t'envoie pas. Mais tu ne sais pas demain, lui qui ne t'envoie rien là. Mais demain aussi son étoile va briller. Quand tu mets les enfants au monde, il faut prier pour eux tous. Ah, mes enfants ont devenu quelqu'un. Moi je connais une dame aujourd'hui parce que l'autre ne travaille pas. Et celui qui ne travaille pas là, c'est le plus grand. Et celui qui travaille, c'est le plus petit. Donc quand le petit me crie sur le grand, quand le grand veut réagir, la vérité, toi là-bas, tu as parlé de toi, tu as quoi même? Mais ce n'est pas bon. Lui, le plus petit, parce qu'il a reçu, il va insulter son grand frère. Toi, ta vieille, tes dents en bois là. C'est ça, toi, te mettre là aussi pour dire, toi, mais il faut te taire. Hein? Quand il va finir tout ça, toi, tu peux payer maison là. Ne faites pas ça. Il ne faut pas choquer les enfants. Si ton fils ne fait rien, dis à son petit frère, ah, trouve aussi un petit truc, ton grand frère va se débrouiller. L'homme ne reste jamais comme ça. Tu vas monter, descendre, un jour, tu vas devenir quelqu'un. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il y a des frères aujourd'hui, ils ne peuvent même pas aider leurs frères. Il est dans sa société, il se dit que si il t'aide là, tu vas devenir comme lui. Il ne peut rien faire pour lui. Vous trouvez qu'un enfant, oh, c'est un soulard. C'est temps. Mais il préfère aller boire sa bière glacée, sa petite bière glacée. Il est là, s'il fait nuit, ah, les moustiques vont l'accueillir un peu parce que lui n'a plus d'avenir. Mais dans l'avenir, là, tu as tué l'avenir, mon fils. Il faut croire à ton Dieu. C'est le seul Dieu qu'il faut croire. Nous, on dit, les gens qui disent, est-ce que demain, là, chez Dieu là-bas, qui allait là-bas, qui a fait réunion dans la cour de Dieu? Tout se passe ici. Tu fais un mal, ça se paye là. Tu fais un bien, ça se paye là. Donc, Zedjeka, j'espère que prochainement, avant de donner votre dernier mot, c'est parce que vous dites que l'amour, là, prochainement, pour ne pas aller voir un marabout. Pour même pas aller voir un marabout. Le marabout, s'il avait, il avait puissance là, moi, je pouvais croire, pas un marabout, mais un homme de mon village maternel, ça seulement, j'ai eu preuve. Il s'appelle Viesco, le monsieur est mort maintenant, tout le village le connaît. Tu pètes en France, et puis lui, il a tout le plus là-bas. Escargot qui est gâté en brousse là, il prend et puis il téléphone avec toi. Toi-même, tu écoutes celui qui est en France. Là, au moins, j'ai vu. Il téléphone. Si tu te dis, il ne faut pas il va traverser un village et dire, ah, ma chérie, vraiment, je veux de toi. Il ne faut pas dire, ah, toi, comme ça là. La nuit, tu vas envoyer barrage, en média. Tu vas envoyer barrage, j'ai le vu là. Il a dit, devant moi, il a marié deux jeunes filles jolies comme ça. Ah, le vieux qui n'a pas de temps à demander, hein. Elles ont dit, ah ma chérie, là, il est bien à nous. Ouais, hein? C'est là, papa, 15 000 francs. Il dit, moi, on ne fait pas semblant un mot. Quand il dit, je t'aime, il faut dire, j'ai compris. Mais il ne faut pas dire, non, t'entends, tu vas me suivre. Il a fait ça, j'ai vu. C'est de ça il s'agit. Sinon, les marabouts d'ici qui demandent au riz, ils ont cuit là. Avec le poisson frais là, ton truc que tu prépares, puis les gens sont ensemble. Alors que toi, ta maison est vide là-bas, c'est quand il y a des marabouts, il est sur natte. Et puis, il te dit, lui, il va te rendre riche. Pourtant, toi, tu dors sur ma télé, hein. Voilà. Toi qui dors, qui m'attends, puis lui, il est une natte là. Je vais arranger ta vie. C'est bien beau. C'est comme les gens qui vont à l'église, qui prient Dieu, quand ils les voient souvent. Oh Jésus, Jésus. Et puis ceux mêmes qui vont à l'église, c'est eux qui ont les grosses queues dans les caleçons là-bas. Parce que tout, il y a beaucoup dessus. Ça ne fait même pas dégager. C'est gonflé en bas de. Alors que les femmes, on a la recherche, on veut couiller. Mais eux, ils sont là, ils ont les grosses robes dessus. Puis là, ça se balance comme ça. Votre prière aussi, priez, bon Dieu aussi, servez-nous. Quand on a la queue, là, c'est pour couiller les gens. Mais vous êtes là, votre groupe, là, ça arrive, vous jouez ça, ça traîne, alors qu'il y a grosse pine dedans. Il y a des femmes aussi qui ont besoin de ça. Vous êtes là, vous traînez souvent Jésus, Jésus. Souvent, Jésus se repose. Il vous a donné pour satisfaire les gens, mais vous n'êtes pas dit d'emballer dessus comme on s'écueille. On dit, ouvrez ça pour taper les gens. Donc, vraiment, je vous écoute. Pour que, parce que là, il faut qu'on aille, il faut parler un peu. Parler un peu de ce que tu fais bien, un peu. Parce que tu es manager. Oui, tu es, un manager, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui. Bon, là, déjà, je ne crois plus à marabout parce que j'ai dit que c'est des bêtises au fait. En tout cas. Dans l'amour, il n'y a pas de médicaments. C'est vrai. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent cette émission, comment appeler l'émission, ils n'ont qu'à savoir que non, y a pas de, dans l'amour, il n'y a pas de maraboutage. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Voilà, ça le marabout n'existe même pas. Voilà. Donc, à la dernière minute, Rachel, deux mois plus tard, elle est revenue seule. Voilà. Elle a commencé à m'appeler. Moi, j'étais étonné. Je l'ai oublié. Elle a commencé à m'appeler. On dit quoi, ça va? Des jours, elle dit, ouais, ça va. J'ai envie de te voir. Elle dit, mais bon, tu veux me voir, c'est par rapport à quoi? La même Rachel qui est oui, partie là. Oui, elle a envie de me voir. Elle dit, ah, bon, d'accord, que moi, je suis là. Hein. Elle dit, mais tu es toujours dans le même quartier? Elle dit, toujours au quartier. Elle dit, ok. Elle est venue au quartier. J'ai vu qu'elle avait un enfant, un garçon au dos. Elle dit, ah, tu as couché tout ça, tu as fait enfant. Ah, c'est bien. J'ai même donné, j'ai payé l'aide même pour l'enfant. Mm-hmm. Je lui ai remis quelque chose. Elle dit, prends, c'est pour l'enfant.
On ensemble, c'est la famille, on a causé. Elle dit non, il veut que tu laisses tomber ce qui s'est passé. C'est que moi, mais c'est pas c'est quoi que tu m'as pris, mais il faut laisser tomber. Il dit non, mais moi, j'ai déjà oublié, j'ai déjà oublié. C'est ça. Mais en même temps, il y avait une vengeance. Voilà. Il fallait qu'il y ait. Oui, il voulait me venger. Donc, en faisant quoi, l'autre. J'espère que ce n'est pas une guerre. Hein, non, ce n'est pas une guerre. Hein. Oui, oui. C'est pas la guerre, mais il fallait qu'il fasse le dernier coup. Avec Rachel. Ouais. Un dernier coup. Ouais, donc. J'espère que vraiment. On se donne les rendez-vous, on s'est tapé un peu. Dit on s'est tapé, tu l'as frappé ou bien c'est non, tu l'as couillé quoi. Tapé, il a c'est couillé. Moi, sur mon antenne, ouais, si il n'y a pas tapé. Il a couillé, je l'ai couillé un peu. C'est le podium des couillements ici. Ouais, donc, comme ça, deux fois, trois fois, et puis après, bon, c'est parti, plus jamais même. Son amour est fini. Parce que c'est ce que tu attendais, parce voilà, que tu as fait tellement ouais, souffrir ouais. Que tu voulais te rendre ton coup. Donc, ah, vraiment, oui. On s'est libéré, bon, c'est fini, on est restés comme des amis. Souvent, on s'appelle, voilà. On couche, c'est fini. Je lui ai dit, ma femme à la maison, elle connaissait ma copine. Elle aussi m'a pris son chéri, bon. Voilà. Bon, je suis d'accord parce que là, au moins, bon, parce que la vengeance aussi, souvent, aussi, c'est un chemin d'or. Hein. Ouais. Tu as pris tout ton temps quand même, tu t'es calmé, tu m'as dit, bon, tu étais là, le gourmet te fatiguait. Ouais. Parce que quand tu aimes là, c'est pas facile d'oublier. C'est quand on n'aime pas. C'est comme il y a des femmes souvent, ils sont au lit, ils disent, moi, comme c'est fait là, il n'a qu'à faire son mari, il va s'élever. Ah non, non, non. Faites, où on te couille, son mari, il n'a qu'à faire son mari, il va s'élever là. Ou tu couilles, ou tu ne couilles pas. Parce que le couillement, on ne fait pas semblant dedans. Tu comprends, moi, comme ça, moi, la seule, un jeune homme va à l'hôtel, et moi, on arrive comme ça, il prend son dos, et puis il éteint la lumière. Et mais attends, qu'est-ce que je ne vais pas? Tu éteins la lumière avec ton dos. Moi, je ne vais pas chercher tes excuses la nuit, là, hein, parce que les excuses doivent être à la lumière. Comment tu peux prendre ton dos pour éteindre la lumière? Il faut allumer ça parce que l'amour c'est de là, on doit se regarder enfant, on doit se regarder dans les yeux. Mais tu prends ton dos et dis non, comme tu es déjà clair, il dit je suis clair, je suis d'accord. En bas n'est pas clair, il faut allumer, on va voir ce qui se passe. Donc dans la vie c'est comme ça, quand tu aimes une personne, tu peux lui faire l'amour, mets ton nez même partout. Parce que quand tu fais l'amour à ton partenaire, dis-toi qu'il n'y a pas de déchets qui passent quelque part. Hein? Parce qu'il y a des gens qui font, il ne faut pas te dire, ah non moi je ne suis pas habitué à ça. Hein? Ou on dit pas habitué, tu dis il faut descendre. Hein? Tu dis il faut descendre. Il y a des femmes souvent quand elle veut même plus de toi, mais quand elle va te caresser, tu fais même pas attention. Demain matin, t'as qu'un, tu es ongle de plaie. Tellement qu'elle tire avec force parce qu'elle veut que tu la libères vite. Hein? Tu vas lui dire simplement, il faut me piper. Si tu ne fais même pas attention, ta tête de parasol va quitter. Donc il faut te dire qu'on ne force pas des choses. C'est quand tu veux ton partenaire, même sans rien faire, sans qu'il ne te donne quelque chose, quand c'est naturel, chacun de nous est satisfait. Est-ce que tu vois? Chacun de nous est satisfait. Parce que j'ai vu en toi que tu as aimé Rachel. Ouais, tu as vraiment aimé Rachel. Tu es obligé de jouer le jeu à un autre. Parce que tellement que tu as aimé Rachel, tu étais obligé de devenir fou pour dire tu allais voir un marabout pour qu'on attache. Alors que dans l'amour, le médicament d'une femme, c'est femme. Si elle t'a fatigué, tu prends une autre femme. Quand l'homme est heureux, tu sens ça. Et j'ai remarqué en général même, tu ne vas pas voir une Ivoirienne aujourd'hui qui va dire à son partenaire, mon chéri, est-ce que tu me permets que je te fasse l'amour? C'est toujours c'est l'homme qui fait les primes. Pourtant, tu as envie. Tu as envie de faire, mais c'est lui qui va te dire, chérie, pousse ici. Mais toi, il faut te dire, tu me permets ce soir que je te fasse la pipe, ou bien tu me permets que je m'assoie sur toi, ou bien tu me permets que je suis tes testicules. Mais ça donne envie. Ça donne envie que la lumière rentre dans une maison. Mais elles sont là comme ça, souvent, elles ont culotte d'écouter là. Hein? Sans même laver, les sueurs comme ça, vont te dire, ah si tu finis, tu vas descendre, moi je vais aller au machin. Hein? Écoutez, tu penses que ma chambre là, c'est le coin de tes parents ici, où tu vas finir de jouer avec tes odeurs, et puis tu vas me raconter ta vie. Quand tu ne veux pas d'une personne, on libère la personne. Et tu as remarqué aussi, si tu vois souvent que ça, c'est un petit conseil de mère, tu vois un homme qui doit, tu veux, tu dois être une femme, c'est qu'il a un nid. Parce que vrai pin qui est en bas de toi, il ne peut pas prendre tous les doigts, pour, on n'est pas à la maternité pour voir si tu as un début de grossesse. L'homme qui aime, il prend son doigt pour te doigter là. C'est qu'en bas de lui, il y a affaire là-bas. Sinon, vrai pin, mais quand tu touches déjà, mais lui, c'est la vapeur qui prend tes fesses. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, c'est un coin, dans mon coin, je vous dis toujours, écoutez-moi les femmes. Sois pas joué le jeu. Quand tu ne veux plus d'un homme, tu le laisses. Et quand tu es avec ton homme, il faut arrêter de prendre les portables sur le lit et puis communiquer, envoyer des messages. Ça, c'est être impoli même. Pas de respect pour ton homme. Tu es au lit avec ton mari, puis tu fais des messages à une autre personne. Tu es au lit avec ton mari, puis tu communiques. Quand le lit, le monsieur, tu n'as aucun droit maintenant de communiquer. Vous envoyez des messages. Tu envoies un message à qui? Le monsieur que tu vas envoyer, c'est lui qui est couché auprès de toi. Et puis toi, tu donnes des messages. Ma chérie, quand tu ne veux pas de ton poussier, tu libères la maison. Tu ne veux pas, tu libères sa maison. Hein? Il est là, quand tu es malade, il est chargé. Mais quand tu penses, quand vous êtes dedans, que les hommes disent qu'ils vous aiment là, c'est quand tu es occupé que l'homme t'aime. Hein? Mais quand tu n'es plus occupé, personne ne s'approche de toi. Parce que l'homme, c'est les gens, ils aiment Dieu.
Parce que c'est dit, moi je tape ça, je n'entretiens pas, c'est toujours propre. Ma chérie, il faut t'asseoir avec ton type. Mais s'il n'est rien, le corps d'une femme est respecté et puis c'est humain, c'est sacré. On ne fait pas partager comme ça. Vous mentez souvent à vos maris, non, j'arrive ici, je vais t'en. Non. Quand, avant de faire tout ce que tu veux dans ton foyer, demande la permission. Quelle que soit sa pauvreté, il est toujours roi pour toi. Ah chérie, tu me permets ce soir, je peux faire ça. Si le mari dit non, c'est non. Quand vous voyez souvent, il y a des femmes aujourd'hui qui ont commencé, mais quand le monsieur commence à vieillir, qu'elles sont encore jeunes, elles refusent maintenant de le toucher. La tension que les hommes ont, tension bien quoi, diabète, c'est vous les femmes qui envoyez ça. Enfin, c'est un problème de nerfs. Le vieux, il est là souvent, de temps en temps, même si tu ne montes pas sur lui, tu peux caresser quand même ses poils légèrement pour qu'au moins il se rappelle un peu, pour que la tension diminue. Vous ne faites pas ça. Et vous laissez que jusqu'à le monsieur, tout ça, mais ça monte comme ça, cet esprit devient dur quand vous voyez qu'il traîne à terre. C'est pas ça, c'est maladie d'amour. Parce qu'il faut quelqu'un pour les piper, pour qu'ils puissent jouer en pression. Il faut qu'on les pipe, ils vont jouer en pression. Ton propre mari, il va mettre son pied sur toi, tu vas balancer ça. Tu dis que c'est un cuisse là, son périmé. C'est pas bon, qu'est-ce que tu cherches. Ne fais pas ça. Quand il était bien, il s'occupait de toi. C'est pas au dernier moment aujourd'hui, tu vas le fatiguer. Dans la maison, tu lui donnes plus à manger. Plus de causerie, tu as fait qu'il il s'est laissé même dans le monde. C'est pas bien. Quand il avait un peu, il s'occupait de ta famille, il s'occupait même de toi. Mais s'il vieillit, que tu ne peux plus lui faire l'amour. Mais la causerie, souvent, là, ça va le soulager. Mais tu ne fais pas tout ça. Quand le vieux, tu dis, ah, faut faire, tu vas aller dormir, moi, je aussi me coucher ailleurs. C'est pas bien. Ça, je vais vous dire que la seule loi que Dieu m'a envoyée vers vous, pour vous dire certaines vérités, c'est des choses qu'on ne fait pas. Ne faites pas ça. Donc, je voulais profiter ce soir encore pour dire à tous ceux qui suivent notre émission, vraiment, je vous dis beaucoup merci. Avec le gourmet sucré, tous les vendredis, à partir de 22h, soyez toujours avec nous. Vous allez avoir des bons conseils. Bonsoir.